Hey! 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 Bon, j'enchaîne deux vidéos. On est sur Brumble, the Mountain King. On sait maintenant que Brumble, ça veut dire ronce. Et on vient d'être gentiment abandonné par notre grande sœur pendant qu'on regardait comme un débile le fond d'un puits. Résultat, il refait noir. Il y a cette petite fée qui a l'air de vouloir vous emmener quelque part, on sait pas où. Et petit disclaimer, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode et qui commencerait par ici, c'est un jeu d'horreur dans lequel il y a visiblement de la nudité, de la violence, des trucs d'infanticide, je crois de suicide aussi. Donc, à ne pas regarder pour les âmes sensibles. Hop. Bon, après qu'on se le dise pour... Merde! Première mort. Je veux dire, pour le moment, ça a l'air tout mignon. Et par contre, c'est gentil hein, de mettre des trucs qui utilisent la profondeur, mais... c'est pas pratique, en fait. J'ai pas une bonne visibilité de... Ouh là là. Ah! Ah donc voilà, pour le moment c'est mignon, mais apparemment, à tout moment, ça va devenir vraiment pas ouf. Donc ne vous fiez pas à ces mignons petits bonhommes. Voilà la fin des mignons petits bonhommes. Je dois m'enfuir ou... Bon ben... Je sais pas à quel point moi, à sa place, j'aurais pas préféré être enlevé avec. The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon, the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Ouais, mais il a perdu sa sœur. Ouais, je disais, moi, honnêtement, à sa place, je préférais me faire kidnapper avec. J'ai plus de chances de s'enfuir ensemble. Genre là, il s'est fait emporter par la rivière, comment il la retrouve? Je me demande si ça va pas encore partir en histoire de... De maltraitance parentale ou quoi. Je garantis pas que ça va pas être un épisode très court parce que j'attends juste le feu vert pour aller rechercher mon amoureux à son boulot. Normalement il termine à 23h mais dépend du boulot qu'il y a. Donc voilà, soit l'épisode dure 3 quarts d'heure. Soit... Bah, peut-être il dure 10 minutes en fait. Si c'est le cas, je suis un peu dans la merde parce que je viens d'avoir un point de contrôle, mais... J'imagine que c'était ça le point de contrôle. Ah! C'est le moment où ça part en... Je le sens mal. J'ai peur des screamers. Ça va, j'ai cru qu'elle allait avoir une tête qui fait très peur. Apparemment non. Frog King made sure that his new friend did not drown. Pas ce sympathique de sa part. He felt like the loneliest child in the world. Il suffisait que t'ailles avec, en fait. He just wanted to find Lillimore and go home.
But to do that, he had to find where the big troll had taken her. Je sais même pas trop comment est-ce qu'il espère rentrer chez lui en fait. Comment est-ce le chemin? C'est une maison toute cassée, y a rien par là. Interagir avec la petite carte postale. Qu'est-ce qu'il y a, Bouchou? J'imagine qu'il montrait un truc par là. Hop, c'est quoi que tu veux? Une peluche? J'ai perdu mon lutin. Ah, il est là. Un petit cochon. Du coup, j'ai gagné une clé. Et un lutin. Est-ce que je vais monter un gang de lutins? Pour aller attaquer le géant? Ils vont se faire massacrer. Jamais à deux, on ouvre ça, hein. Quoique. Ah bah juste ça passe. Oh, je pensais qu'il me ferait interagir dans les champs. Y'a rien à faire ici. Oh mon. Comment ce peut. Son cochon il s'est trouvé là-haut? Oh la vache! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça va me poursuivre pour me bouffer? Je sens que j'arrivais à des zones où il y a besoin d'être... Oh! Où il y a besoin de faire de l'infiltration. Hey, il y a un lutin là-bas. Oh putain, ces trucs sont vachement glauques. Pourquoi je peux pas descendre? Qu'est-ce que je dois faire? Je passe entre les bras de ces trucs? Ah. Et je vais aller sauver le lutin, moi. Un méga piège à ours. Je crois que c'est un piège qui est censé me faire comprendre qu'il y en a d'autres. Ok, j'imagine que je vais devoir me la jouer à Tomb Raider.
Vite! Il faut sauver le lutin! J'ai quoi? Je me laisse. Je suis mort? Oui. C'était à prévoir. Ah bah oui, je suis conne, il y a des fougères là. Ouais, on peut pas être parfait. Hein. Ça me fait penser un peu à Inside. Un autre jeu que j'avais joué un peu glauque, platformer sympa. Attends, parce que là je le sens middle avec les pièges. Non mais il veut me prendre pour une conne en fait, parce que là je le sais que les bronchages ils cachent un trou. Je veux le zapper le trou moi. Je le sais qu'il y a un trou. Arrêtez. Hop. Bah oui. Qu'est-ce que c'est? Un cerf. Je suis tombée sur le cadavre d'un cerf. Ah, ça me dégoûte. Très noir. J'entends une respiration. J'entends des mouches. J'entends un boucher. Eww. Cette chose a une queue. C'est un porc bouché qui charcute des sangliers. Ça, c'est vraiment totalement dans la même veine que tout ce qui est Inside, Little Nightmare, etc. Oh, je le sens, le screamer, il va se tourner vers moi, ça va faire peur. Eww! Ah non, c'est dégueulasse! Oh, il est couvert de sang. Oh, c'est immonde. C'est immonde, c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde. Il va se retourner, il va me faire peur. Et c'est immonde. J'espère que le jeu ne sera pas trop sombre pour le stream. J'augmenterai peut-être le gamma pour les prochains épisodes, je regarderai. Ah non, mais il y a sa main là! Mais juré, il va me voir! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? LT. Tiens. Merde. J'ai oublié de lancer. Ah putain. Je vais mourir. Mais ça a tremblé. Je savais plus bouger. Ok, donc quand il lève son autre main, je saute pour pas être étourdi. Et quand il lève cette main-là, je bouge en fait.
D'accord. Hop. Et là je cours. Et là je cours. Et là j'attaque. Et puis là je cours. Ouh le putain, c'est pas passé loin. Et puis là je saute. Je suis passé. Non, j'étais un peu trop long. Ah, je l'ai fait trop long. Trop tôt. Trop soit. Ça ne va pas. On recommence. On fuit. On court. Non, on saute. On court. Et puis on saute. Et on court. Et on attaque. Et je suis contente qu'il sauvegarde ma progression à chaque phase. Bon, on fuit. On se casse, on se casse, on se casse. Je l'ai aveuglé, je pense pas que ça va le tuer, hein. Ola wanted to cry. Eh ben moi aussi. A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Des eaux. Ok, petit escalier. Il n'y a pas l'air d'avoir si souvent de ça, des points de contrôle, donc à mon avis, au prochain, je m'arrêterai par sécurité. Ah oui, du coup, j'ai pas pu sauver mon gnome. Je suis tombée sur un cerf-mort. À mon avis, je vais lâcher, ça va avancer. Donc je vais déjà anticiper et faire ça. Non, ma gueule! Je peux bien faire ma maline, genre je connais les mécaniques de jeu, non, parce que je me foire quand il s'agit de sauter. Hop. Hop, ne pas trop appuyer. Voilà. Bon, si je pousse ça, est-ce que ça tombe? Est-ce que ça ouvre la cage? Je pense. Allez! Viendez, les copains. Vous allez probablement mourir d'ici peu, hein, mais viendez quand même. Allez-y, mon armée. Poussez. Oh, le petit hey, c'était rigolo, c'était mignon. Ah! Ouh là là. Oh non! Je viens de me rappeler que j'ai vu un stream de ce jeu. Oh non! J'ai vu quelqu'un streamer ça et ils vont se faire choper par les... Oh non! Je sais pas les gérer tous. Je vais d'office en perdre au moins un. Ah mais restez serrés les gars. Allez. Ah! Pardon? Ils sont... Putain, mais je dois mettre ma vie en danger pour qu'ils avancent assez. Allez, mets plus par ici. Hop. Plus qu'un, les gars.
S'il vous plaît, on se concentre. C'est moi qui vais me faire chaud. Et... Mais sautez... Voilà. Je crois qu'il y a plus de piège ici. Oh, j'en ai un qui est mort, je suis trop triste. Oh, dites-moi que ça va pas recommencer. J'ai réussi à n'en perdre qu'un. Mais vas-y, il a l'air heureux, il y en a un qui est mort. Tout le monde s'en tape. C'est horrible. Je viens de me casser le cul à les sauver. C'est ignoble. Je se cache. Bon. Ah, c'est ignoble. Cours. Cache. Ah, je suis ignoble. J'ai clippé ça. Oh putain, je suis trop court, je suis trop court. Je suis pas morte. J'ai le temps d'aller là-bas, ça a l'air. Ok. Mais genre, il me suit. Et je les ai entendus, hein, ces gros pieds. Ils ont été tapés des pièges à ours. Mais qu'est-ce que c'est que ce gameplay dégueulasse? Ah, c'est ignoble. Donc là, attends, faut que je réavance un peu vers l'avant avant de... Genre un truc comme ça. Mais ils sont extrêmement proches les uns des autres. J'ai oublié comment ça va là. Oh putain. J'étais totalement dans la lampe là. Ah oui, mais j'ai pas regardé. J'ai voulu être trop vite, j'ai pas regardé. Ah, je suis pas bien. J'ai retourné jouer aux Sims. On est bien dans les Sims. J'ai oublié de regarder où il y a des pièges. Ok, là tout droit ça passe. Là, je reviens un peu vers moi. Genre comme ça. Là, c'est le bordel. Putain, il est hardcore celui-là. Attends, mais là je les vois même pas les pièges. Il y en a partout. D'accord, je vais là et j'avance en ligne droite. Je recule de 3 pas et puis presque ligne droite.
1, 2, 3, hop. Là. Ok. Là, ligne droite, c'est safe. Là, je sais pas très bien où je dois aller. Ah, il y a des... Ok, je dois aller vers la boîte et longer. Parce que si je suis derrière la boîte, il me voit. Genre. Non! Oh l'enculé! Pardon, je suis grossière. Ah, mettez-moi un point de contrôle après ça, hein, parce que... Mais tu veux bien te... Dégage! S'il te plaît, dégage! Je crois qu'en vrai, si je longe, ça passe, mais... Genre là, ça passe. Mais est-ce qu'il sait où je suis, ou... Ah, je suis pas bien. Allez, hop, YOLO. YOLO, je suis foutu. Non, ça va, il m'a pas vu. Arrête de me su... Il y a une main. Il est en face. Il est en face et il y a une main. Mais j'ai pas envie d'aller près de cette main. J'ai pas envie d'aller près de cette main. J'ai pas l'air d'avoir le choix. Je vais me faire attraper. Ok, ça a pas l'air de bouger. Je crois que c'est un bras coupé. Je vois que dalle. Mais je... Il va essayer de m'attraper, là. Oh! Il a un très gros nez. Je vais avoir un point de contrôle, s'il vous plaît. Je veux que ça s'arrête. Mais je vais passer derrière lui. Ah non. Ah, je cours. Pas du tout si on voit bien avec ma lampe, parce qu'il fait noir maintenant dehors. Ces champignons ressemblent à des cuvettes de chiottes. Tout ce que j'ai à dire. J'aimerais bien un point de contrôle parce que... Parce que là, si je m'arrêtais, je vais devoir me taper tout ça, en fait, j'ai pas envie. Pas possible, il y en a si peu des points de contrôle. Pas croire que là tous les... Ah. Ah bah j'ai cru que j'étais mort. Revoilà le gang des pommes de pin. Oh non, je viens tuer leur roi. Je suis désolée. Mais il s'en tape en plus, mes sales gosses. Je viens de tuer le roi des pommes de pin. Oh, mais c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux pas que ça m'approche. Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas où me réfugier. Au secours. Non, ça me rapproche. Ça me rattrape. Ça m'a rattrapé. Est-ce que ça veut dire que c'est un point de contrôle, là, en fait? Techniquement, si je respawn là quand je meurs, ça veut dire que c'est un point de contrôle. Je sais pas. Ah bah, voilà. J'étais distraite, je suis morte. Karma. Karma. Bon. Je regarde mon téléphone pour savoir si le message qui est en train d'être écrit, c'est pour dire que je dois y aller. Ou que j'ai encore du temps. Pour tenter quand même. Le message s'écrit pas très vite apparemment. Je sais plus, c'est celui-là pour courir. Hop, je mets là. Hey, je direct. Cours. Pardon, je crie peut-être très fort. Oh, non! Je viens de sacrifier les gnomes! Ah! Je suis un monstre. Et je vais mourir, je suis mort. Bon, ben voilà. J'ai retenté. Ce sera pour la prochaine fois. Parce que je dois y aller. Oh, je suis pas bien. Ce jeu est cool. Il me met encore plus mal que Little Nightmare, alors que pourtant, c'était pas rien. Mais j'ai pas streamé Little Nightmare, par contre. Mais j'y jouais. J'ai fini. Les deux. Hop. On n'a rien vu. Je ne sais pas faire un switch direct. Ça veut pas reconnaître mes marques, mes raccourcis. Merci à ceux qui auront regardé. Pardon, je réponds parce que sinon, s'il arrive à court de batterie, il va croire que j'ai pas vu. Je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai sauvé des gnomes, ils sont quand même morts. Je suis pas bien parce qu'il y a un gnome que j'avais même pas réussi à sauver. Puis ça fait peur. Du coup, je suis contente, j'ai retrouvé un jeu d'horreur. Je vais mourir. Allez, à mon avis, la suite dimanche, parce que dimanche, je vais être seule au monde pendant toute la journée. Alors, je ferai un peu de ménage chez moi, mais je passerai sans doute beaucoup de temps à juste m'emmerder. Et du coup, ben, je retournerai souffrir sur Bramble, the Mountain King. Voilà. Bye bye.